Salut. C'est dur le matin de se mettre en route quand on sait qu'on va quand même passer quelques heures à fouiller, puis que le soleil va être intense. Non, au contraire, t'as plus envie d'y aller plus vite, comme ça t'es à la fraîche. C'est plutôt quand on arrive le midi où ça commence à cogner. Mais généralement, c'est entre midi 30 et 13h que la chaleur elle tombe vraiment. Avant, ça va, il y a encore le frais de la nuit. Oui, on regarde toujours ce qu'on fait, on est toujours attentif à ce qu'on fait. On va dire que juste le mouvement d'enlever sa couche, etc., on va pas y penser plus que ça. Quand on est lancé dans quelque chose qu'on a compris, ça va, c'est quand on est en train de réfléchir, quand on n'a pas encore bien compris sa couche, ou là, non, à chaque coup de truelle, on réfléchit à est-ce qu'on est au bon endroit ou pas. Mais quand on a compris ce qu'on faisait, non, c'est bon après. Et tu as un carnet de fouille, c'est ça le carnet bleu? Oui. Qu'est-ce que tu y notes dessus? C'est soit des observations quand je suis en cours de quelque chose, soit c'est des choses que je vais aller renoter sur une fiche ensuite, mais que j'ai pas la fiche sous la main ou que je l'ai pas encore créée, pour pas perdre l'idée. Tu fais des dessins aussi sur ton carnet de fou? Des petits croquis, oui, généralement pour les stratigraphies. Là, c'était des remarques sur les traces qu'il y a au fond des fours, juste à côté. La paroi du four est marquée par des traces fines et longilignes, comme le coin d'une lame d'outil, observée sur une vingtaine de centimètres de long. La lame a une épaisseur de 1 ou 2 mm et sa largeur n'est observée que sur 2 ou 3 mm. Voilà, c'est des choses que j'ai pour les fours d'à côté. Ben là, en plus, c'est pour décrire des traces d'outils, donc il faut que ce soit un peu plus littéraire, mais sinon c'est des mesures et les inclusions qu'il y a dans les couches, etc. Ouais, c'est ça, ouais. Il faut arriver à gérer l'avancée des scientifiques et après aussi que l'équipe s'effondre pas sur elle-même à cause des conditions climatiques. Parce que quand même, ça fait 4 semaines qu'on fouille, quasiment tous. Donc ouais, il y a un épuisement à la fin au bout de 3 semaines et demie. Donc ouais, puis ils sont pas tous habitués à travailler en plein cagnard. On voit bien ceux qui sont pas habitués. Déjà, ils sont plus pâles que nous. Et après, ouais. Et puis, j'ai mis quelques années aussi avant de m'acclimater véritablement aux conditions ici. Des fois, quand c'est trop sec, notamment sur un terrain argileux comme ça, on doit gratter et quand c'est vraiment dur avec les poignets, on a tous les poignets en feu jusqu'à la fin de la journée, quoi. Et du coup, le fait de mouiller, ça rend humide et on peut plus gratter. Et même, ça aide mieux à voir les couleurs entre les différentes terres, substrats qu'on doit avoir en fait. Il y a quelqu'un qui veut un peu mouiller sa zone. Ouais, c'est De beurrer, je sais pas si c'est le terme exact, mais c'est un peu plus mou, c'est un peu plus simple à travailler. Après, ça fait beaucoup de boulettes, donc c'est un peu chiant. Parce qu'il faut quand même nettoyer après. Après, ça sèche relativement vite avec le soleil, du coup, c'est plus facile après à nettoyer parce que ça laisse juste des petites boulettes, on balaye et puis moi, comme ça, c'est très facilement propre. Vraiment, des fois, fouiller finement et aller petit à petit en déduire avec les strates qu'on a avant pour savoir quelle structure on va avoir. C'est vraiment une conjonction des deux entre le physique et mentalement pour pouvoir analyser ce qu'on va devoir trouver en fait. Après, il y a toujours des gens qui nous donnent des conseils parce qu'au début, on fait toujours un peu n'importe quoi avec la truelle. Parce que c'est pas forcément un outil qu'on a l'habitude de manier tous les jours. En bas, il y aura plus la couche noire, je pense. Oui, mais ici, de toute façon, on est sur le substrat et puis t'as la porte naturelle qui fait un effet certain aussi. Ouais. Pour moi, c'est un métier où on est actif, on fait des choses, on est toute la journée avec des outils. C'est un métier assez manuel du coup. Et on est plongé dedans à fond. C'est pas. Moi, j'ai vraiment cette peur de travailler devant l'ordinateur toute la journée. Et là, au moins, ça change de ça. On est dehors, on est sur le terrain. Certes, c'est dur, c'est physique, c'est éprouvant, mais après. C'est pas le pire métier, puis il y a toujours des solutions derrière, soit des étirements, des choses comme ça, où on peut faciliter l'endurance du corps et s'améliorer, quoi. Mais on travaille et on a moins besoin de nettoyer après, ou juste en fait, si on a le bon geste, ben on travaille moins. Et c'est quand même un peu plus agréable de moins travailler
et de faire quelque chose de propre comme ça. C'est pas avec le théorique qu'on a avec les cours qu'on va apprendre. Les cours nous donnent une vision et il y a en fait la vision des cours, nous ce qu'on a dans l'esprit, parce que beaucoup de gens ils pensent que c'est comme Indiana Jones ou comme dans Tomb Raider. Et il y a la réalité qu'on voit sur le terrain où on gratte toute la journée, on fait pas forcément des trouvailles toute la journée, on trouve pas des pièces d'or, on trouve des détections thermiques, on est déjà assez content comme ça. J'essaie de maintenir les choses dans leur position là par exemple. Je pense que c'est un très grand clou. Donc j'essaie de le laisser en place. Je creuse autour sans le bouger. Celui-ci il est vraiment dans les niveaux archéologiques donc. Ouais. Ouais. Et c'est pas le premier que je trouve. Il y en a vu bah, par exemple ici. Il y en a un qui a été noté ici, un autre ici. J'en avais un qui était à peu près dans ce secteur-là. Donc celui-là il doit être avec. Tiens Robin. Par contre tu feras gaffe, j'ai l'impression. Mais t'as dit qu'en fait dans la coupe on les voyait, c'est ça? Ouais, dans la coupe tu vois les. Ouais. T'as pas l'aspergeur, t'as pas volé l'aspergeur pour. Le chercher. Merci. On a des structures qui recoupent d'autres structures. On a, bah ici, on a pas mal de zones rubéfiées. Et la question qu'on se pose avec Sam, c'est de savoir bah, si les différentes poches communiquent entre elles ou pas. Il faut qu'on ait des objectifs, qu'on les définisse et qu'on travaille en fonction de ces objectifs. Donc, savoir quelle poche on va d'abord dégager. Ouais. Donc là, t'as. Ouais. La partie rubifiée, elle va être là. Ouais. Et si tu prends à ce niveau-là dans la coupe, tu vois qu'à toutes ces zones-ci où tu as une plus grosse concentration. Ouais. Et donc tu as des gros charbons, des inclusions de TCA, de la céramique, des trucs comme ça. Ouais. Que tu n'as pas ni au-dessus ni en dessous. En tout cas, au moins beaucoup plus petites inclusions. Ta poche de rubifiée en bas, laquelle? Celle qui est verte. Celle-là? Est-ce qu'elle est circulaire? Celle-là? Ouais. Oui. Bon, attends. Il y a une vérité, mais. Non, parce que je crois qu'elle continue plus loin. Elle continue. Je trouve qu'avec la lumière, je ne vois plus très bien. Mais... Ouais, c'est. J'aurais du mal à te dire, parce que. En fait, là, elle est. Là, elle est allongée. Donc, ouais. Je suis en train de mouiller, là. Et la relation avec le bout ici n'est pas nette-nette. Pas nette-nette, bah, ça fera partie de tes objectifs aujourd'hui. Après, ça paraît très cohérent que ce soit dans l'alignement. Bah du coup tu continues à dégager 1203 là au-dessus, tu fais apparaître les galets et alors tu regardes s'ils sont liés ou pas à droite. De quoi? Si ça et ça c'est connecté? Ah, si le petit là et celui-là est connecté pour voir si c'est dans l'alignement. Mm-hmm. Ouais, parce que là il y aura juste à retirer pour voir si les deux sont liés. Et t'as dit qu'il n'y avait pas de transition entre le foyer 17, le foyer 16 du coup et le foyer 16 qui est là-bas. Et l'autre parallèle, ouais. Pour moi, il y a une séparation. Après, okay. Là, ça donne l'impression que j'ai surcreusé et que je l'ai effacé, ouais. Mais y a vraiment, pour moi, il n'y en a pas. Ouais. On prend des notes de la façon qui nous sied le mieux. Enfin, chaque individu est différent, donc chaque individu fait ça différemment. Puis moi, en plus, dans mon carnet, on fait la topographie, donc j'ai fait aussi des notes sur les points topo qu'on doit prendre. Moi, je ne vais pas noter les blagues qu'on fait sur chantier et ce genre de choses. Je ne suis pas très poétique dans mon carnet de fouilles. Ça peut être chouette de revenir dessus après, si on le sait. Maintenant, ici, on a pas trop le temps. Là, la campagne est assez intense. Il n'y a même pas de... À part mes croquis, il n'y a pas de dessin dessus, par exemple. Moi, j'ai quand même décoré la couverture pour que ce soit joli, mais c'est à peu près tout. Je crois qu'on n'a pas encore de numéro pour le niveau blanc. Okay. L'avantage du papier, c'est qu'ici, il est directement disponible, que si on veut relire ses notes et ce genre de choses, c'est beaucoup plus facile que si on est dépendant, par exemple, d'un ordinateur ou de l'écran d'un appareil photo, en fait. Mais par exemple, ici, comme la lumière n'est pas bonne, si on fume la structure, on ne verra pas grand-chose, alors que sur un carnet, comme on a fait le schéma soi-même, on a pu mettre en avant des choses qui n'étaient pas spécialement visibles, ben, c'est peut-être plus pratique quand même qu'un support visuel. 1063, c'est l'argileux à argileux limoneux grand moyen avec de fréquents microcharbons et des brides céramiques. C'est ce que tu avais au mieux. Ouais. Ouais. Enfin, parce que tu as fini de dégager, que Rick avait dégagé il y a deux semaines. Ici, on a une structure qu'on essaye d'appréhender qui est un peu compliquée. Elle a été fouillée l'année passée, sauf que l'année passée, c'est très sec. Ce qu'on a appréhendé l'année passée n'a pas été appréhendé correctement.
On a des interprétations aussi différentes, même parfois entre responsables de secteur. Donc c'est aussi un débat pour essayer de voir, pour essayer de lire correctement le site. Enfin, si le site était lisible directement, ce serait moins fun aussi. C'est, le débat, c'est important, et puis ça fait grandir la réflexion aussi, pour essayer de mieux appréhender. C'est très meuble, du coup, un coup de truelle en trop, et on a perdu peut-être des informations, donc c'est aussi un peu de pression. Parce que la fouille, ça détruit. Il faut être consciencieux de ce qu'on fait. On peut perdre l'information et ne pas comprendre quelque chose. Quand on est vraiment tout le temps sur la même structure, c'est plus facile et on la connaît, en fait, à force d'être dedans. C'est un mélange de charbon, d'argile et d'éléments de rubéfié de parois. Donc quand l'argile a cuit et s'est solidifié. Et c'est des éléments qui sont complètement mélangés par morceaux, des fragments. Et c'est pas en place. Si c'était en place, on aurait tout un tapis d'argile cuite avec des charbons par-dessus, par exemple. Ça, c'est les niveaux d'utilisation. C'est comme ça qu'on utilise les foyers. Là, il y a le creusement que j'ai dégagé ici. J'ai commencé à le fouiller. Mais il n'est pas très très bien conservé puisque tous les éléments que j'ai trouvés étaient en apport secondaire. Donc j'ai pas les niveaux d'utilisation du foyer en place. Comme il n'est pas très bien conservé, c'est difficile de dire quelle était son utilisation première, mais on peut supposer qu'un foyer comme ça, ça servait effectivement pour plus pour le domestique et la nourriture que pour autre chose. Mais ça peut aussi bien être de la forge. Des petits foyers comme ça étaient aussi utilisés pour la forge, mais pour l'instant j'ai pas de rejet métallique, donc cette hypothèse n'est pas possible pour le moment. Je travaille toute l'année, par toutes les températures et tous les temps. Donc il y a des moments où oui, on est fatigué, je suis très souvent en grand déplacement, donc je ne suis pas chez moi toute la semaine, je rentre le week-end. Donc des moments de fatigue, parce que le corps aussi finit par être fatigué, oui, ça arrive à tout le monde. De saturation de l'archéologie, non, jamais. C'est toujours différent. Tous les chantiers que j'ai faits, toutes les périodes, c'est jamais la même chose. C'est jamais les mêmes sites, c'est jamais les mêmes collègues, et c'est jamais les mêmes responsables. On peut changer de technique, on peut changer de méthode de fouille, c'est ça qui est intéressant, c'est jamais la même chose. Alors moi, ce que j'ai du coup, c'est un four culinaire. Donc voilà, on voit la partie en fait en forme d'ovale qui devait se terminer par ici. Et ce qu'on a devant, en fait, tout devant, là, donc c'est une demi-meule, enfin c'est ce qu'on estime parce que le reste est dans la coupe, donc on le saura l'année prochaine. On a une partie donc rubéfiée, toute cette partie-là. Ici, ici et ici aussi, c'est certainement le fond. Et c'est rubéfié parce que du coup, quand le four a été chauffé pour la première fois, l'argile a chauffé et est devenue rouge en fait. Elle n'est pas durcie comme de la céramique, elle s'est juste changée de couleur. Et c'est une couleur du coup qui va rester définitivement, qui nous permet nous de différencier le four du reste du substrat. Alors moi j'aime bien changer tous les ans le chantier, donc je sais que je ne viendrai pas la prochaine normalement. Ah d'accord, tu vas aller. Mais j'irai peut-être en tant que touriste pour savoir ce qui se passe avec cette meule, suite au prochain numéro. Non, pourquoi tu reviens pas? J'aime bien changer tous les ans. Non mais tu viens 2 semaines, c'est tout? Sur mes vacances, ça va faire encore plus de vacances. Ah, je viens en tant que touriste. Bon bah il n'y a qu'une seule solution, Aurélien. De quoi? Faut que tu finisses cette année. Ah bah pas de soucis, hein. on peut allonger la coupe jusque là-bas, il n'y a aucun problème. Faut que tu finisses le foyer au moins cette année. Ah bah oui, ça sera fait, oui. Il reste 3 jours, voilà. Je te dis, on finit ça. C'est comme ça qu'on les motive. Si les températures sont un peu plus clémentes les prochains jours, on essaiera de vraiment avancer maximum. Le but, c'est de trouver le fond du four, qui normalement devrait être la même couleur rouge ici, parce que le four aussi a durci, hein, comme les parois, une sorte de voûte en fait qui s'est formée. Et donc l'objectif, c'est ça, de trouver le fond du four pour enfin déterminer sa profondeur, donc sa taille. Et puis voilà, de savoir un peu, d'en savoir plus sur cette structure, quoi. Je fouille une fosse, mais qui a déjà été commencée l'année dernière. Et en fait, on n'avait ouvert que la moitié. Enfin, c'était une autre personne qui s'occupait de ça. On s'est rendu compte que la fosse était beaucoup plus grande que ce qu'on pensait. En fait, j'ai beaucoup de faune, j'ai beaucoup de tessons dans cette fosse. Et moi, franchement, j'ai beaucoup de mobilier dans cette... J'ai trouvé une aiguille ce matin, donc je suis contente. Mais on a faune et on a beaucoup de scories aussi. Je comprends ce que je fouille, donc ça, c'est essentiel. Oui, j'ai pas envie de trop gratter le noir parce qu'on a du rubéfié hyper friable. C'est ce qu'il y avait au-dessus de ce machin-là. Au-dessus du niveau orange, tout à ta main pour le moment.
Et puis j'ai pas envie de faire des trous non plus dans les parois, donc je vais regarder un peu ce qui se passe au milieu quand même pour descendre. Mais j'arrive sur ces trucs avec les espèces de parois effondrées. Il faut faire là. Oui, mais là j'ai le même souci qu'ici. J'ai un truc de parois effondrée. Ouais. Oui, mais t'arrives sur un truc un peu plus jaune, comme il y a vaguement au fond. Le problème, c'est que moi, je pensais que ce jaune, il était fini, sauf qu'il n'est pas fini. Le jaune vient sur le noir, là, Oui, il vient en dessous. C'est en dessous. Ouais, oui, il vient en dessous. Le problème, c'est qu'il bave beaucoup. Une grosse lumière. Et du coup... Mais là, il y a peut-être juste une racine qui a pété le truc. Ouais. Et ça, ça doit être le fond du four, en fait. Je dis pas non. Bah, c'était l'hypothèse qu'on avait, maintenant je continue à essayer les parois. Par contre, je ferai jamais 30 litres. Non, mais là, ça doit être le fond du. Le fond de la structure et ça s'est fait ravager par je sais pas quoi. Parce que ça doit être une racine ou un truc, ou une galerie de bestioles. Et ouais. Juste dans la landie, c'est dommage. Les gars mettaient bois à l'ombre du vélo fermé. Ouais. Je me demande s'il faut pas souffler en fait pour faire propre. Il fait frais, mais... Oui, on prend une photo c'est... et... Parce que, j'ai déjà pris une photo de travail. La landier doit être juste un peu désaxé comme ça et il s'est fait péter la... Oui, tiens, il y a quoi? La tête. T'es face à la caméra, tu... Ouais. T'es pas obligé de répondre, mais ça fait partie du ouais, boulot. Pour moi, aussi. Ça fait partie du boulot parce qu'en fait, c'est des subventions publiques. Donc, c'est normal qu'on présente au maximum de personnes et qu'on présente nos découvertes, que ce soit à travers des timelapses, des conférences, des articles ou même des vidéos qui finissent sur YouTube. Donc, ça fait vraiment partie du job. Et ça permet aussi de faire connaître notre travail, de mieux se faire comprendre par les gens. Parce que c'est l'histoire de tout le monde qu'on fouille. C'est pas que nous, c'est pas juste pour notre intérêt. Ok, on est intéressé par les domaines de recherche ici, qui sont ici, les potiers, les forgerons et la préparation culinaire. Mais c'est aussi pour échanger avec les gens. C'est l'histoire de tout le monde. C'est pas que la mienne. L'histoire. Oh.